Blacka Décrypte aujourd'hui va vous parler du phénomène du moment, du phénomène des réseaux sociaux, le chouchou des médias, Stéphane Tiki, l'Africain d'origine camerounaise aujourd'hui sous le feu des projecteurs suite au phénomène qu'il représente pour nous. Et donc Stéphane Tiki a été élu il y a quelques temps président de la jeunesse populaire de l'UMP. Quand on connaît les penchants racistes de l'UMP, quand on connaît les propos divulgués par les mentors de l'UMP, on a un peu de mal à comprendre comment Stéphane Tiki, sans papier, se reconnaît dans ce discours-là, se reconnaît dans les valeurs de Nicolas Sarkozy, comme il le dit, se reconnaît certainement des valeurs peintes au chocolat de Jean-François Copé, qui lui-même a des démêlés aujourd'hui avec la justice, donc on ne l'entend pas manger du musulman ou de l'Africain noir. Et donc Stéphane Tiki, ça fait plus d'une année et demie qu'il a perdu son titre de séjour, enfin son titre de séjour n'est plus valide. Il était étudiant, donc aujourd'hui il n'est plus étudiant, s'est fait élire à la tête de la jeunesse populaire de l'UMP. Il disait ceci il y a quelques années, sortons massivement pour signer la pétition contre le droit de vote aux étrangers. Il s'est aussi insurgé contre le fait que France 2 aille interviewer Leonarda, la jeune fille roumaine qui a été conduite dans son pays. Pour quelqu'un qu'on sait qui n'est pas français, qui n'est même pas en situation régulière, en gros, qu'est-ce qu'il souhaite pour lui-même? Quand on sait qu'un sans-papier s'est fait élire à la tête de la jeunesse populaire de l'UMP, ça pose deux questions. Premièrement, soit l'UMP fait du travail aux blacks, sans faire de jeu de mots, soit les garde-fous contre l'entrée des loups dans la bergerie ne fonctionnent plus. Il faut se dire aussi peut-être que depuis que Sarkozy s'était éloigné un peu de l'UMP, c'était du gros n'importe quoi. Nadine Morano, Nathalie Kosciusko-Morizet, Alain Juppé, etc. n'ont pas fait leur boulot. Donc Stéphane Tiki aujourd'hui nous amène à nous poser des questions. La question la plus importante pour nous, c'est est-ce que Stéphane croit en tout ce qu'il a dit quand il a exhorté les Français à aller signer des pétitions contre le droit de vote des étrangers, parce que lui-même est étranger aujourd'hui. Aujourd'hui, il est sans papier. Donc pour être français, il faut déjà être en situation régulière. C'est la loi française qui le dit, hein, j'invente rien. Aujourd'hui, il est reconductible aux frontières, c'est-à-dire qu'on pourrait le faire retourner dans son village au Cameroun. On ne lui souhaite pas ça. Stéphane Tiki, comme tous les autres sans-papiers qui vivent sur le sol français, nous souhaitons tout simplement qu'on leur donne ce bout de papier qui leur permette de travailler, qu'ils aient un minimum de dignité. Parce qu'aujourd'hui, il faut juste se poser la question de tout ce qu'il y a comme barrière face à un sans-papier comme Stéphane Tiki. Il ne va nulle part. Et d'ailleurs, lui-même le disait, hein, en France, il faut respecter les valeurs de la République française. Il faut se fondre à la masse, il faut ressembler à tout le monde. Or, lui-même, aujourd'hui, n'a pas le droit de rester là. Faut-il demander une pétition pour qu'on le retourne, pour qu'on le fasse retourner au Cameroun? Moi, je dis non. Faut-il le soutenir? Moi, je dis oui. Tout simplement, des fois, quand on traîne trop avec un savant, quand on traîne trop avec des gens intelligents, il peut arriver qu'on pense qu'on est soi-même intelligent. Mais quand on traîne avec des racistes qui tiennent des propos racistes, qui veulent diviser le monde en deux parties, le bien et le mal, le blanc, le noir, le chrétien et le musulman, des fois on s'y prend à ces jeux de sorte à ce que on opère contre soi-même. Et donc si Stéphane Tiki a la possibilité de nous expliquer pourquoi il s'est comporté contre lui-même et contre tous les gens à qui il ressemble que nous voudrons soutenir, qu'il vienne nous le dire. À dimanche prochain.